الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans, les premiers musulmans à l'époque du début de la révélation ont subi de la part de leur peuple énormément de pression et d'oppression et ils ont dû supporter les pires des atrocités, tout cela en restant fermes dans leur foi. Et en même temps, ces musulmans persécutés par des gens qui ne croient ni en Allah ni en son messager voyaient ceux qui ne croyaient pas profiter des plaisirs de ce bas monde et se vautrer dans le luxe et la richesse et manger à satiété et boire de toutes les boissons possibles et imaginables sans être touchés par le mal ni en eux-mêmes ni en leur famille. Alors les musulmans dirent, voici des gens qui ne croient pas, ils ont des commerces, de l'argent et ils voyagent sur terre comme ils veulent. Alors que nous sommes sur le point de mourir de faim tellement nous ne trouvons rien à manger. Alors Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset dans lequel il dit « La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad » Ne sois pas trompé par le renversement de ceux qui ont mécru ici et là sur terre, dans le sens où ils se déplacent sur terre comme ils veulent et voyagent comme ils veulent. « Mata'un qalil » Ce n'est qu'une jouissance de petite quantité. Thumma ma'wahum jahannam, puis ensuite leur refuge et leur destination finale sera l'enfer. Wa bi'sal mihad, et quel détestable lieu où on finit. C'est-à-dire, ne regardez pas l'état de ces personnes qui ne croient pas, dans quelle jouissance ils se trouvent et de quels bienfaits ils disposent et profitent, et ne soyez pas trompés par le bonheur qu'ils semblent montrer en apparence. Très bientôt et très rapidement, tout cela disparaîtra et ils n'en auront plus rien. Et à ce moment-là, ils seront tenus responsables de leurs actions néfastes et mauvaises. Et auparavant, les anciennes communautés auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses prophètes et messagers jouissaient d'une richesse et d'un bonheur encore plus grand. Ils étaient plus forts et plus nombreux et ont laissé plus de traces sur terre. Et malgré cela, la bonne fin n'était pas pour eux. Au contraire, elle était pour les croyants véridiques. Comme Allah a dit dans le Coran, « Afalam yasiru fil ard » Vaut-il seulement voyager sur terre ?« Fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim » Afin qu'ils voient comment ceux qui les ont précédés ont fini. « Kanu akthara minhum » Ils étaient plus nombreux qu'eux. « Wa ashadda quwwatan » Et encore plus forts. « Wa atharan fil ard » Et ont laissé plus de traces et de vestiges sur terre indiquant leur passage. « Fama aghna anhum ma kanu yaksibun » Rien de ce qu'ils ont pu cumuler et amasser ne leur a été d'aucune utilité. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu que le prophète, qu'un jour il est rentré chez le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il dormait sur une paillasse qui laissait ses traces sur le flanc du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y avait rien entre le prophète et la paillasse, pas une couverture, pas un matelas, rien. Et le prophète avait un oreiller dont l'intérieur était composé de fibres de palmier. Quelque chose de très très modeste. Et Omar, en le voyant ainsi, est touché et attristé et se met à pleurer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam se réveille et lui dit « Oh Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Et là, Omar radiallahu anhu lui dit « Ya Rasulallah, regarde sur quoi tu dors. » Jusqu'à ce que ça laisse des traces sur ton flanc. Et regarde ce qui te fait office d'oreiller. Et regarde cette armoire dans laquelle il est censé y avoir à manger. Il n'y a rien dedans. Alors qu'en même temps, César et Khosroès, les empereurs byzantins et perses, se vautrent dans le luxe et ne manquent de rien. Alors que toi, tu es le messager d'Allah
et son élite dans, parmi ses créatures. Et là, le prophète, alayhi salatu wasalam, qui était allongé, se redresse et lui dit sévèrement, « Est-ce que tu as un doute, ô fils de l'Khattab ? Ces gens-là dont tu parles sont des gens dont leurs bonnes choses ont été précipitées ici-bas. Ils n'en profiteront qu'ici-bas et ils n'auront rien dans l'au-delà. Ne serais-tu pas satisfait d'apprendre, Omar, que eux auront ce bas monde et que nous, on aura l'au-delà ?» Et là, Omar radiallahu anhu, il dit « Bien entendu, ya Rasulallah. Bien entendu. » Tout ça, mes frères, pour dire que pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est passé de nombreux événements tragiques et difficiles. Parmi ces événements-là, la bataille des coalisés. Lorsqu'un nombre de tribus arabes se sont unies dans le but d'exterminer le prophète et les musulmans à Médine, ils levèrent une énorme armée et se dirigèrent vers la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour les garder à distance, avec ses compagnons, ont creusé des tranchées autour de la ville, les empêchant d'arriver à destination. Lorsque les ennemis sont arrivés devant la ville et sont arrivés devant les tranchées, ils n'ont pas pu les traverser, ils ont donc dû camper et attendre. Et ainsi, ils ont fermé tout accès à la ville, comme ils ont empêché ceux qui s'y trouvaient d'en sortir. Résultat, les musulmans furent touchés par une énorme famine. Et c'était une période hivernale où il faisait très froid. Et ils ont dû, en plus de cela, repousser les attaques des mécréants qui restaient à l'extérieur. Et dans ces situations très difficiles, le prophète, alayhi salatu wassalam, annonce aux musulmans qu'Allah Ta'ala lui a donné les clés des plus grands royaumes de l'époque. Les clés de la Perse, les clés du Yémen et les clés du Cham. Et les croyants, ayant une foi inébranlable en la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, oublièrent leur faim, oublièrent le froid, oublièrent la difficulté et explosèrent de joie à entendre cette bonne nouvelle et leur foi ne fit qu'augmenter et s'accroître. Comme Allah dit dans le Coran, « Idh ja'ukum min fawqikum » lorsqu'ils venèrent d'en haut de vous, « wa min asfala minkum » et d'en bas de vous, « wa idh zaghatil absar » et lorsque les regards se retournaient, « wa balaghatil qulubul hanajir » et que les cœurs arrivaient dans les gosiers, « wa tadhunnuna billahi dhununa » et que vous aviez certaines pensées envers Allah, « hunalika » à ce moment-là, « ibtuliya al mu'minun » les croyants furent certes éprouvés, « wa zulzilu zilzalan shadida » et furent secoués fortement. Et en même temps, les hypocrites qui sont là et qui entendent le prophète, alayhi salatu wassalam, se disent, comment est-ce qu'il peut nous promettre les clés des plus grands empires alors qu'on ne peut même pas sortir à l'extérieur pour faire nos besoins tranquillement à cause des ennemis. Et Allah Ta'ala a révélé par la suite, « إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » lorsque les hypocrites et ceux qui dans leur cœur ont une maladie dirent, « مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا » Allah et son messager ne font que nous promettre des illusions. Voici comment les croyants véridiques réagissent face aux promesses d'Allah et de son messager. Et voici comment les hypocrites réagissent face aux promesses d'Allah et de son messager. Craignez Allah et croyez en lui et en son messager. Et il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Et il vous donnera une lumière avec laquelle vous marcherez. Et il vous pardonnera car certes il est pardonneur et miséricordieux. Et ne soyez pas trompés par l'état apparent des gens qui ne croient pas, même s'ils vivent dans le luxe, même s'ils vivent dans la richesse, même s'ils ne manquent de rien, même s'ils ont la puissance, même s'ils ont la domination, ça ne durera qu'un temps. Et très bientôt, la bonne fin sera pour les croyants. Et prenez garde à ressembler aux hypocrites, ceux qui ne cessent de vivre dans le doute et qui n'ont jamais goûté à la saveur de la certitude. Et faites preuve de patience et d'endurance, car certes, Allah est avec les patients. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ما في بين المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائمها برحمتك يا
أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا خير المسؤولين. سبحانك يا ربنا ظلمنا أنفسنا وعملنا سوءا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.